militaire, c'est qu'un ajustement au chantage, on ne le laissera pas confisquer nos libertés, surtout qu'on ne cédera pas au pass sanitaire, à l'obligation vaccinale. Soutien inconditionnel au personnel médical, à qui on met la seringue sous la gorge. C'est la santé sur le travail. C'est un gage que l'on fait. Ne vous y trompez pas, aujourd'hui c'est ça. Demain ça sera d'autres métiers, ça sera les enseignants, ça sera d'autres métiers qui sont en contact avec le public. Ils ne peuvent pas céder, ils ne donnent pas le droit. Ce n'est pas constitutionnel, c'est contraire au droit de l'homme, c'est contraire à la constitution. Il y aura des recours, je suis des pas. Il faut avoir accusé tous les recours avant de céder. Moi je dis la même, il ne faut pas céder du tout. Alors je sais, c'est parfois difficile pour certains d'avoir tout ce pas. Moi j'ai pas encore mis la vie, donc avoir peur. Les parents voient pour les liens, pour tout ça, ils ont pas aussi de voir plus de se vacciner. On en dort pas, on en est malheureux, mais on résistera. On est plus fort que ça, on va leur montrer qu'on n'est pas un peuple d'esclaves, qu'on ne va pas tomber dans cette servitude volontaire. Ils veulent notre consentement. Sinon, il y a pas du rêve qui leur a imposé cette obligation vaccinale à tous. Mais ils ont besoin de consentement parce qu'ils savent qu'il va y avoir des problèmes avec ce vaccin. Ils ne veulent pas en être tenus pour responsables. Donc ils veulent notre consentement. Et si on fait de chantage, si on fait de la pression, ils diront, ben, c'est vous qui avez voulu, c'est vous qui avez accepté de vous faire vacciner. Donc on ne cédera pas. Et c'est ça notre résistance. C'est pas la violence. C'est pas si bien d'être tous ensemble. Parce que ça montre qu'on n'est pas tout seul. On est tous peut-être dans notre travail, notre environnement familial, amical, professionnel. On se sent isolé, on a l'impression d'être tout seul, à ne pas être vacciné. Mais non, on n'est pas tout seul. Il y a peut-être d'ailleurs des vaccinés dans le monde.